écoute les enfants dormants. Cette chanson douce, je veux la chanter. Je sais pas si c'est la canne qui a perdu son aveugle, mais je te promets, je vais te botter le derrière si tu ne viens pas quand je t'appelle. Mais c'est que j'étais moi-même bien occupée de mon côté. La poste n'est plus en grève et le facteur venait juste de m'apporter une lettre. La poste n'est plus en grève? Non. T'es sûre? Ah oui, aujourd'hui c'est Air France. Bon alors, et cette lettre, tu l'as lu le facteur? Ben, il avait bien commencé, mais vous criez tellement fort que je ne comprenais rien. Alors, vu que j'étais très énervée, je lui ai repris la lettre. Il est venu de voir notre petit canon. Il voulait. Et je me suis précipitée à votre rencontre. Précipitée? Non. Pose au moins ton verre. Un but. Oh, elle vient d'où cette lettre alors? Je ne sais pas, vous dis-je. À peine si on a eu le temps de... Oh, donne-moi là cette lettre, je vais te la lire. Allez, voilà, madame est trop bonne. Alors, voyons voir ce que dit cette lettre. Alors, c'est une lettre qui vient de Saint-Tropez et qui est signée de ta cousine Antoinette. C'est bien ce que j'avais cru comprendre avant tous vos cris. Des cris? Mais quels cris? Les vôtres, madame, les vôtres, quand vous m'avez appelée. Oh, ça suffit, Joséphine, arrête, je lis. Alors, ma chère cousine Joséphine, je t'informe que ma tante, ta mère, elle est morte. Oh, ma pauvre mère est morte. Oh, me voilà donc orpheline. J'avais déjà perdu mon père et mon frère il y a quelques années. Maintenant, ma mère qui prend soin de moi en prison. Ma mère, si gaie, qu'on voyait danser le long du golfe clair. Oh, ma pauvre Joséphine. Oh, je suis bien triste de ta peine. Oh, mais tu sais, nous sommes tous mortels ici-bas. Et puis ta maîtresse est là pour te soutenir, d'accord? Allez, je continue la lecture si tu veux bien. Alors, oh, ben ta pauvre mère t'a laissé 50 livres. Non, 50 livres? Oui, yes, tout ce qu'on pourrait faire avec ça en période de quiz. Regardez bien, madame. Y a-t-il encore des bonnes nouvelles? Ouais, mais il me semble que tu te consoles bien vite de la perte de ta pauvre mère quand même. Mais c'est que ma mère était bien vieille, madame. Oui, bien vieille. 61 ans. Nous sommes au début du 18e siècle, ne l'oublions pas. C'est l'espérance de vie de notre époque. Ne l'oubliez pas. Ouais. Enfin, bon, bref. Ah, je continue la lecture. Alors, ta cousine Antoinette a dû donner les 50 livres pour que ta défunte mère ait des funérailles décentes. Ouh! Que le diable emporte en enfer ces charognards qui s'emboissent de cadavres! Que la peste bubonique, le sida, les MST, le typhus, le coryza les étouffent! 50 livres! Oh, fondus comme blanche-neige au soleil! Oh! Tout cela est bien triste. Oh là là là! Alors, voyons ce qui suit. Alors, ta cousine t'apprend aussi que ta jeune sœur Rosalie... Eh bien? Ta jeune sœur Rosalie... Eh bien? Pour Joséphine, il va falloir que tu sois courageuse, hein. C'est pas chose aisée à dire. Ah hein. Non, mais toi, tu voulais pas dire comme ma mère? Mais non, 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 non. Ah. Pas du tout. Alors, ta jeune sœur Rosalie... est devenue fille de joie. Vous m'avez fait peur, maîtresse. Ma soeur Rosalie, fille de joie.
Cette joie-là m'attriste bien un peu. Ouh, mais je l'ai tout pleuré si elle était devant moi. Fille de joie, fille de joie. Quelle honte, quel déshonneur. Je ne peux que manifester mon indignation. Oui, oh, bah, tu sais bien que les manifestations d'indignés, hein, ça ne mène pas à grand-chose. Hein. Et puis, console-toi, les hommes seraient perdus s'il n'y avait pas des femmes aussi dévouées que ta sœur pour le salut de leur corps. Je pense. Et puis, la suppression des filles de joie, à mon avis, c'est pas avant 2050 de notre ère. Et encore, ouais, bon, ça ne me console pas, mais alors pas du tout, hein. Bon, je continue la lecture. Voyons. Alors, pendant tout ce temps où ta sœur a exercé ses travaux d'intérêt général, elle a mis de côté 600 livres. Ouh, c'est beau bien, ça, madame. Mais ma sœur était très économe. Il n'y a pas vraiment, elle gagnait bien sa vie malgré la concurrence des filles de l'Est, Alsace, Bourgogne, Lorraine. Ah, et attends, Joséphine. Je crois bien qu'il y a un souci. Je lis. Tu sauras, cousine, qu'à la suite d'une dispute avec un CRS qui ne voulait pas payer, elle a reçu un coup de matraque qui l'a à moitié défigurée. Oh, ma pauvre Rosalie! Elle ne pourra plus travailler correctement. Ou alors, à demi-tarif. Attends, mon ami, attends. Je lis. Comme la blessure était grave, ta sœur a fait son testament et elle t'a mise comme héritière. Ma sœur était une bien bonne personne. Oui, une bien bonne personne, je l'ai toujours dit. Et ensuite, elle est décédée de ses blessures. Oh, ma pauvre Rosalie, mais... Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais tu vas hériter, mais tu oh, mais héritier de quoi? Vous avez dit que j'étais héritière. Héritière de quoi? Avec l'augmentation des frais de succession, vous croyez qu'il va me rester quelque chose? Mais bien sûr, enfin, oh, tu n'es pas soumise à l'ISF comme moi, ouais, ça, t'as bien de la chance. Ça, c'est vrai. Oh là là, tu ne risques pas grand-chose, va, crois-moi. Oh, c'est beau. Ah. Alors, voyons voir ce qu'elle te laisse par ce testament, quand même. Mm-hmm. Ah oui, une maison avec tous ses meubles et les 600 livres d'économie. Ma sœur était une bien bonne personne. Oui, bien bonne honnête fille. Oui, bien honnête, oui. Mais à mon égard, maîtresse, me voilà riche à présent. Une baraque, 600 livres, des meubles. Regardez bien encore, peut-être y a-t-il encore quelques bonnes choses. Ah, pas vraiment, Joséphine. Je lis la suite. Mais ma chère cousine, il est arrivé un grand malheur. À la suite d'un court-circuit avec le lave-vaisselle, le feu a pris dans la maison qui a entièrement brûlé avec tous ses meubles. Et tout ce qui n'a pas brûlé a été pillé. Et ta sœur n'avait pas pris d'assurance zéro bobo. Oh, mais presque, voilà, oui, il n'est plus de maison, si ça m'est volé. Oh, c'est ce malheur, je veux mourir aussi, la tête dans le sable, en mettant dans l'eau fatale. La tête dans le sable, mais enfin, tu n'es pas une autruche, Joséphine. Allez, ressaisis-toi. Allez, viens, regarde. Allez, viens avec moi. Nous allons boire un petit coup. Et ensuite, tu iras porter à monsieur de Cacaran, de ma part, une bourse de 100 livres. Hein? Ça te changera les idées et tu me rendras service. Allez, viens. Allez, on va aller boire un petit coup. Viens.